Salut à tous, c'est Damzou sur Europa Mercedes 4 avec la Grande-Bretagne. Starotapol, c'est ce machin-là. Ok, va commencer le fort du dessus. J'arrive pas à l'avoir. Continue de lui courir après. Bon, Brandebourg, on va pas te rater en tout cas. Tu peux applaudir Brandebourg parce qu'il est très fort là-dedans. Où est passée ma flotte de guerre? Elle est là. C'est lui que tu poursuis, mec, sache-le. Mentes, ils sont 15. Ok, bon bah. Oh là, mais on n'arrive pas à faire tomber ce foutu truc, hein. Mais bon, s'ils sont 15, il me suffit de faire revenir un tout petit groupe d'opérations. Reviens. Eux, ils suffiront à gérer le coin. Cafa. Où est Penjima? Ouais, le problème c'est que pour Penjima, il me faut un colon. Mais je peux le prendre, parce que c'est quand même une quête qui du coup va me donner des bonus. Ça peut le faire. Ça peut accélérer mes dernières colonies. Je pourrais exiger 5000 ducats, je le fais tout de suite. Ça, j'ai pas envie. Ça peut augmenter ça. Par contre, ça va faire chier les clercs. L'inquisiteur, j'en ai pas besoin. Ouais, c'est plutôt. Ouais, 100 points administratifs, on verra plus tard. Par contre, maintenant, j'ai quand même 5000 ducats. Quand on me connaît, bah, on sait que 5000 ducats, ça se dépense. Ça s'économise pas, voyons. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Au-dessus direct aussi. C'est ici qu'il y a des bâtiments qui font de la résistance? Voilà, il n'y a pas de souci, moi. Voilà, on va moderniser l'Empire romain. Normalement, historiquement, l'Empire romain, il est déjà moderne. Pour son époque, il devait être moderne. Non, pas plus que ça. À cause des petites îles un peu partout, ça peut être très chiant à choper. Et voilà. Oh! 0,45! Une petite île comme ça ici. Ok, de la production, on verra ça plus tard. Des limites terrestres. Et peut-être une petite limite navale aussi. Au niveau des navires, on est. Ouh! On a tellement de navires qu'on fait bugger l'écran. C'est beau. On est en train de se battre pour la reprise. Je vais peut-être leur envoyer des canons. Mec, achète des canons. Bon bah le mois prochain, t'achèteras des canons, y a pas de problème. Alors toi, tu vas à Métrol. Charles, tu peux pas aller là? Tu peux aller là, tu vas à Bakhmut. Vorogenev. Azlo. Et ici. Toi, tu vas monter là-haut. Là, ils ont commencé les affrontements contre la... Non, la Suède n'est toujours pas entrée dans les combats. On est sur leur fort à 21%. Les forts des Pays-Bas sont intombables. Parfait, toi tu m'achètes une troupe de mercenaires pour récupérer le Nivernais. Et tu vas m'acheter donc des batteries volantes ici parce que faut qu'on fasse tomber. Nom de nom, ce foutu territoire. Ok, j'avais pas demandé une troupe de renfort en arrière. Mais bougez-vous le cul, bordel, on vous attend. Bien sûr qu'ils ont pris Mentes, les mecs, ils avancent pas. Derrière, il y a la Russie qui fait mal.
Bon, la République des Deux Nations est totalement hors course. Le seul qui, comme d'hab, va faire une très bonne résistance, ça va être la Suède. Et encore, ça, on va s'en occuper très prochainement. Parce qu'une fois que j'ai mes actes chez eux, ils tiennent plus. Parce que la capitale tombe très vite. Il y a quoi? Il y a deux forts devant la capitale. Vas-y, t'as du siège toi? Mantrega. Au hasard, va faire un tour là-bas. Ok, on peut passer là, toujours pas. Va faire un tour à Penza toi. L'Hollande, allez, on y est presque. Maintenant, toi, tu peux passer à Skyn. Toi, tu passes là. Toi, tu peux passer dans la... sur la capitale. Toi, tu vas avancer à Brinsk. J'ai pas lancé l'attaque, évidemment. Vous pouvez voir comme je suis un génie. Toi, je te verrai après. Débarquez, les mecs. Sizin, c'était toi. Tu réapparaîtras là-haut directement. Va à Oka. Ah, ça y est. Il commence. La Suède va faire plusieurs combats. Vos canons, vous débarquez là-bas. Parce qu'il y a quand même des chances qu'on perde l'île. Et ça, j'ai pas envie. C'est mon île, donc vous me la laissez. Vous avancez là, vous avancez à Brest, Smolensk. Et les troupes, ça avance n'importe où, c'est bordélique. Ah, j'ai vu Smaland qui est tombé. Non, c'est pas Smaland, ça devait être faux machin chose. Commencez les sièges en Suède. En paix séparée, c'est le Pays-Bas que j'aimerais sortir. Est-ce que le Pays-Bas, on a un score de guerre sur lui? On a 26. Ah, pour l'instant, il a pas envie de se rendre. Eh ben, il n'y a pas de souci, mec. Tu veux te battre? On va te faire combattre. Est-ce qu'on a le plus 5 maintenant? Oui, on a le plus 5. Ouais, bon, je vais arrêter de bouger toutes les unités. Mettez-moi 2 en inflation. Bon, les mecs, question de crise, on a trouvé leur armée. Pardon. Ça aurait pu être leur armée si quelqu'un ne les avait pas écrasés dans la seconde qui suivait. Après, il me reste toujours l'Autriche. Toi, c'est vrai que j'ai oublié le siège de Hollande. Parfait. L'Autriche, remets-moi tes alliances. Les Pays-Bas, je peux les mettre hors d'état de nuire. La Hongrie, on va forcément devoir se retourner contre eux. Et les états pontificaux, ils n'existent pas à Liège aussi. Ouais, il y a des chances que directement après, on passe contre nos meilleurs copains. Sincèrement, les mecs, soit vous comprenez que vous avez perdu, soit vous faites pas chier et vous assumez le fait que vous ayez perdu. Attendez, avant de faire cette bataille, hop, ça c'était un fort. Non, alors on va reprendre ça, je mets un commandant et bing. Trésibonde des rebelles. Est-ce que j'ai laissé les troupes ici? Positionnez-vous là. Ramenez-vous ici. Regroupez-vous là-bas. Armée de Suède en approche, on prend aucun risque.
Allez, on a libéré Chypre. Dans les bateaux, on va intervenir ailleurs. Bim. Nous, on va viser directement la capitale. Allez, normalement, ils sont obligés. Ah, je peux pas viser la capitale, dommage. Ah, je suis déçu, si seulement j'avais pu viser leur capitale directe. Scanny. Scanny, ça veut dire qu'on va à Stockholm maintenant. Le passage ici est ouvert. Une fois que Stockholm est tombé, c'est la boucherie. Parce que ça veut dire que le passage est ouvert n'importe où. Bourgas, vous me maintenez l'attaque ici. On ira libérer Bourgas après. Donc on a géré le moment de rébellion. On va prendre une bonne partie des provinces d'ici. Toi, t'es garanti par l'Ottoman et t'es allié à la Russie. Bon, j'ai peur que la Russie. On soit obligé d'entrer en guerre contre toi dans pas longtemps. Alors je te préviens un peu à l'avance quand même. Je te déchirerai ta race s'il faut. Parce que t'as peut-être beaucoup d'hommes, mais nous, on en a plus. Et peut-être qu'au début, la qualité des états pontificaux m'a fait peur. La qualité russe, j'ai aucun doute là-dessus, on l'assassine. Mettez-vous ici parce que ah ok non ça c'est normal cette armée elle avait aucune chance de gagner vu qu'elle traînait sans général le fait qu'elle soit vivante aussi longtemps c'était plutôt un miracle ah bah on arrive ici c'est quoi cette flotte. Faut fuir. Combien de temps? 10 jours. Débarque tes troupes ici immédiatement. Il y a eu un combat minime. Hop, vous me rechargez. C'est bon, vous pouvez ressortir. Je viens de me ramener les renforts. Allez, on occupe tout. Ah, ils viennent de rentrer la queue entre les fesses. Donc je serais bien là à la capitale, mais du coup, on va faire ce fort là-haut. Donc apparemment, toi, tu te... Ah, les points... Est-ce qu'il y a des sciences? Non, non, c'est beaucoup trop tôt. Va falloir qu'on améliore une province. Non, je vais exclusivement dépenser des points diplomatiques. Il n'y a que de la terre. Mais que du... Ah, allez. J'avais un bâtiment à faire ici? Ah bah ouais, tiens. Déjà, il y avait celui-là. 40. 1, 2, 3, 4. Ah, je peux pas. Point militaire, en fait, on est bon. On pourra tenir le coup sans problème. Là, mettez-moi de l'armée. Ça fait trop. 1, 2, 3 et 4. Mettez-moi une compagnie commerciale. Il y a beaucoup de terrain de merde quand même. Ça, je connais pas ce type de terrain. Ça fait 3, ça fait 2, donc c'est pas possible. Terre aride. Ça fait 11, 4, ça fait que je peux augmenter un petit peu. Voilà, on a dépensé cette partie-là. Maintenant, il faut qu'on retourne dépenser encore ailleurs et encore plein de trucs. Là, là.
Toi aussi. Toujours rien pour eux, toujours rien pour là. Ça, je sais que c'était la partie la plus passionnante de mon jeu, mais bon. Faut dépenser les ressources quand même, faut dépenser. Faut pas se laisser faire. Non, ça c'est nul. Vu que c'est des terrains améliorés, on va casser les bâtiments. Fais-moi ça plutôt. Toi, tu vas me virer le quai en fait, c'est de la merde ton quai. Toi, tu vas virer ça et tu vas me faire ton usine. Tu vas virer le camp d'entraînement, tu vas faire ton usine. Ah, la bande de pauvres quoi, le mec il a acheté des bâtiments ici, c'est une honte. Le nombre de compagnies commerciales qu'il aurait pu avoir. Là, c'est ce bâtiment-là. Non, j'ai pas pris Benten. J'ai failli me taper contre eux, mais au final, on l'a pas fait. Par contre, toi, je me suis battu contre toi. Non, ça va, ça peut rester. Est-ce que j'ai fait des conquêtes? J'ai conquis ces trucs là-haut. Il n'y avait rien de spécial. Là. On va virer l'église. J'ai encore 3000 ducats à dépenser. Tant que tu me fasses ça plutôt. Vire-moi celui-là parce que celui-là, je crois que... Non, je suis même pas sûr. J'allais dire un truc, mais j'en étais même pas sûr. Bon, au moins l'autre était amélioré là. Là, c'était facile de trancher. Ah, c'est de l'or ici. Fait du puissance commerciale. Toi, tu peux dégager facilement pour de la puissance commerciale. Voilà, on a fait quand même un bon budget. On va juste améliorer ces bâtiments-là. Qui, sans hésiter, sont très bons à beaucoup d'endroits. Waouh! Eh ben, on a quand même bien dépensé. Même là, on a bien dépensé. Ok. Je coûte combien ça? Non, j'ai pas les moyens pour rebalancer une flotte. Abolu. On reprend la guerre. Lui, il va sur l'avant-dernier fort. Enfin, qui m'empêche l'accès au Saint Graal. Et à vrai dire, là on a même un truc. Parce que moi je vais choper l'armée ici. Et du coup je vais faire l'avant-avant-dernier fort. Aller à Kurchu. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu iras à Memel. Toi tu vas direct. Non, toi tu vas faire ceci. Toi tu vas faire l'armée. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller à Ostrov. Et toi, ben, tu vas gérer la petite armée qui va me faire chier. Parce que vu ce qu'elle est partie. Vu qu'elle commence à dessiéger, ça va m'énerver. Le siège ici, l'avance, on en est à moins 29. Niark, on a mis son armée en déroute. On a l'accès à ça? Non. Non plus, on est bloqué. Donc on va juste commencer les blocus là. Nouvelle conversion religieuse. Le Congo a été libéré. Bravo le Congo. Toutes mes félicitations. Vous êtes des futures victimes, du coup, je peux vous le féliciter. Arnia, Memel. Ouais, du coup, tu vas passer là. Allez, avance tout seul. Alors, le Brésil, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est un adieu.
Voilà, le Brésil a 28 000 hommes. Donc le Brésil gagnerait cette guerre tout seul. Positionnez-vous. Esmuds. Oh, ça... c'est un nom de province, ça. Salut. T'es sur Esmuds. Où est-ce qu'ils fuient, eux? J'ai aucune idée de jusqu'où ils vont fuir. Mais ce serait bien qu'on l'échappe. Ok, le tsar est mort. Regroupez-vous. Vous allez reprendre position immédiatement à Narbonne. Faut tout de suite qu'on recommence les replacements. Quoique là, lui s'en occupe. Donc replacez-vous maintenant à Antioche. Akershus. En fait, leur armée s'est empalée sur Akershus, la Laponie, et maintenant dans la capitale. Ah, c'est pas de bol ça, les mecs ils se sont repliés sur leur capitale. Ça a tourné au carnage. Mais sans l'ombre d'un doute, un carnage. Normalement, je pense que je pourrais faire une première paix avec les Pays-Bas. Vous avez rien à me donner, les Pays-Bas? Si. M'en fous, ça coûte des points diplomatiques, mais je m'en fous. Limite, je pourrais prendre ça aussi. L'air de rien, on peut vous piquer quand même beaucoup de ducats. J'en connais qui vont être heureux chez nous. Voilà, on prend deux provinces et beaucoup de ducats. Ça, c'est pour Brandebourg. J'ai pas fait exprès. Allez, vous protéger ça, vous. Et voilà, la capitale qui est tombée. Donc, comment vous expliquer à peu près l'offre que je veux? Je veux que vous me donniez le tour total de la mer Noire. Est-ce que Circassie est dedans? Il me faut Adana aussi. Moins 8, on peut les faire signer, on va les faire signer les mecs. J'ai dit que c'était l'humiliation, c'est l'humiliation. On va vous faire signer sur tout. Vous reprenez une position en Italie. Ça sert à rien de s'acharner, on a gagné, on se casse. Vous aussi, pouvez vous casser. La prochaine cible, c'est l'Autriche. Espérons qu'ils seront en forme. Pétez l'armée qui est là. Repliez-vous, vous vous barrez là-bas. Vous pouvez aller bosser, on a mis leur flotte en déroute. Corée qui se retire de la guerre. État pontificaux. Ça, cassez-vous tous de la coalition. Allez, on se dépêche de se casser de la coalition Konya. Est-ce que Konya est dedans?
Il n'y a pas suffisamment de provinces là, c'est pas possible, je peux pas savoir. Crois qu'il y en a une, je l'ai pas, c'est celle-là. Abrasie. La Brasie, je l'ai pas, il y a ici. La Basie, oui. Empire romain. C'est où Caïr au fait? Mince, Zealand. Oh, j'ai donné Zealand. Oh, j'ai fait une connerie. Bon, Brandebourg. En fin de partie, on sera obligé de se faire une guerre. Tiens, si jamais je rate sauver avec une province qui rate. Caïr, c'est là. Donc ça, c'est l'autre. Lui, c'est l'Ottoman qui mangera. Donc j'irai refaire une guerre à l'Ottoman. Ça lui fera les pieds. Façon, j'ai même suffisamment d'hommes pour faire la guerre à l'Ottoman. Ok. Ils sont prêts à céder. Il faut que je récupère ce siège. Crime. Oh putain. C'est quoi le nom des régions? Balkan, Anatolie. Fiche-moi les régions. Région Crimée. Non mais ça veut dire que c'est... Comment vous voulez qu'on le fasse quoi? On connaît même pas le nom, Mantrega. C'est même pas marqué. Comment vous voulez qu'on y arrive? Vous donnez pas assez d'indices. Balkan, Anatolie. Pas contrée, peut-être. Crimée, non, donc laisse-moi toujours en région. Ça, c'est tout. Oh, les Balkans, c'est énorme ce qu'il va falloir. Bon, au pire, on trouvera un moyen, on brisera une trêve, on s'en fout. On va prendre ça en plus. Des sous. Non, pas de soupe. C'est même bizarre qu'il m'ait fait dépasser le nombre. D'habitude, il ne le fait pas. Ok, 99. Je passe à une surexpansion de 78. Combien est-ce qu'on a actuellement? Ça passe. Et je crois que j'ai dû décevoir ce mec-là. C'est peut-être les Russes que j'ai déçus. Ouais, j'ai déçu les Russes. Bon, en même temps, les Russes, j'étais à 80% avec eux. On est plutôt bien. Allez, faut commencer à Corée. Il y a du missionnaire qui travaille. S'il manque des points, je sais comment les obtenir. Il y a du bâtiment. Ok, tout c'est que du bâtiment secondaire où ça bosse pas. 25, 25, 25, 25, 25. Ok, tout ça a été pris. Le théologien est toujours là, ouais. J'aimerais bien gagner un tout petit peu d'exp... Enfin, un petit boost quelque part en... J'ai oublié le nom. En stabilité, voilà. Il va falloir protéger ça. Et là, du coup, ça me fait... Il me manque l'Abbazie. Il me manque 14 provinces. Mais je sais pas c'est lesquelles. Ça qui est con, c'est que je sais pas c'est quelle province qui manque parce que la liste est mal faite. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il me faut une guerre contre l'Autriche. Je peux récupérer Brandebourg très vite. Je peux pas récupérer eux.
C'est de la merde. En fait, la seule chose que j'aurais à gérer, là, c'est l'Autriche. Mais si j'ai Brandebourg, l'Autriche, on la gère sans problème. Toi? Don. Tiens, cadeau. Et toi, tiens, prends un don aussi, ça te fera du bien. Prends 2000, ça fera du bien. La guerre contre l'Ottoman, est-ce que je peux l'enchaîner maintenant? Je en pause. Il faut que je réfléchisse un tout petit peu là. Tu garantis des indépendances, toi. Fais-toi plaisir. Je te donne à l'accès, je te donne à l'accès. J'ai des trucs à convertir. Là, moins clair. C'est bon, c'est géré. Là, ça, il faut juste attendre que ça se passe. C'est très long, mais il faut attendre. Contre l'Ottoman. Qu'est-ce que j'ai besoin contre l'Ottoman, officiellement? Je déteste ce truc là parce qu'ils sont pas précis. Et bon là les mecs là vous me la faites cette foutue guerre ou quoi? Vous avez juste le Brésil à défoncer, vous avez même pas atteint encore la position? Oh là là, bande de boulets. J'ai gardé combien de troupes ici? Oh j'en ai trop. Donc vous non. Vous vous cassez par là. Comme ça, vous réapparaissez là-haut. Ok. Ensuite, ces navires-là, ils vont récupérer l'armée qui est là. Là, faut que les légitimations avancent tranquillement. Et je réfléchis, est-ce que oui ou non, je pars en guerre? Maintenant, alors qui a une sorte de se révolter? Le pape à Rome. À qui? Ça passera, pas de soucis. Ça passera. Il me faut des troupes. Allez quoi, je peux avoir 100 000 hommes sur l'Ottoman. L'Ottoman, il reste combien de troupes? L'Ottoman, il a 72 000 hommes maximum. Il faut que je te pique une province, donc je vais te faire une guerre. Parce qu'il me faut Caïr. Donc je vais te faire toute une guerre juste pour Caïr. Pointez-vous, pointez-vous. Normalement ils sont assez nombreux. Venez les mecs. Faut attaquer Caïr. Je trouve que j'ai beaucoup de conversions à faire. Trop de conversions à faire. Je trouve ça chiant. Et tiens, d'ailleurs, c'est bizarre là. Pourquoi est-ce qu'il me propose pas de les enlever? Je peux les ajouter, mais pas les enlever. C'est pas logique du tout. 92 000. Joli groupe. On vous coupe en deux immédiatement. 56 000 ici, c'est très bien. Voilà, vous montez dans le bateau et vous partez pour le front ottoman. On a une province à prendre, on va la prendre. Et j'espère bien qu'on n'en a qu'une seule. Sinon, on en prendra plus. 34 000, on s'arrête là du coup. Allez, ciao à tous!